Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour cette page spéciale consacrée au tourisme. Nous sommes au Palais des Nations, au Club des Pins, où se sont tenues deux jours durant les Assises Nationales du Tourisme, axées essentiellement sur la relance du SDAT, le schéma d'aménagement touristique. Comment faire de ce schéma une véritable boussole qui nous mènera à la promotion du tourisme et à faire de notre pays en finalité une destination de choix qui pourrait capter des touristes qui soient locaux ou étrangers. Pour répondre à cette question, justement, nous recevons ce soir avec nous, alors je commence par vous, monsieur Poliwa Rémy, vous êtes expert en stratégie de développement du tourisme, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous recevons également avec nous monsieur Gouti Abdelkader, vous êtes cadre au ministère du tourisme, vous êtes également conseiller du ministre du tourisme, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous recevons également avec nous monsieur Bédard François, vous êtes expert à l'AOM Invest, qui est une entreprise donc, qui s'occupe un peu du développement du tourisme. Vous avez également un partenariat avec le Centre mondial d'excellence des destinations, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous recevons également avec nous monsieur Shaib Mohamed Kamel, vous êtes tour opérateur, vous êtes DG de Visa Travel, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Alors pour commencer, je vais rappeler encore une fois que nous sommes au Palais des Nations, pardon, où viennent de se terminer donc les Assises nationales sur le tourisme, une grande rencontre qui a connu la participation d'un millier, quand même à peu près 1000 participants, scindés sur plusieurs ateliers. Mais des rencontres comme celle-ci, j'ai envie de dire, on en a eu plusieurs qui ont été comme des velléités sporadiques et qui n'ont pas eu de lendemain. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les choses ont changé et que la volonté politique est là et que cette rencontre va connaître un suivi en finalité ? Votre observation est très pertinente. L'essentiel, c'est de ne pas faire des recommandations pour les recommandations. Et je vous prie de me croire que les choses ont changé. Nous sommes absolument conscients qu'il faille tout de suite, et le ministre, monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, et il s'est engagé au nom du gouvernement à mettre en place un plan opérationnel d'urgence pour la mise en œuvre de ces recommandations. Il y a une attente extraordinaire de la part des populations et un élan mobilisateur de la part des opérateurs pour faire de la destination Algérie vraiment une destination émergente et alternative très prochainement. Tout le monde y croit, il y a la volonté politique, il y a les moyens qui sont mis en place, il y a la mobilisation des opérateurs et des experts, et je crois que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour qu'à l'avenir, dans un avenir proche, on puisse récolter le fruit de ce travail. Monsieur Poliwa, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, en tant qu'observateur, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'Algérie est prête justement et que la volonté politique est là pour relancer ce secteur? Alors, en tant qu'observateur, j'ai une remarque à faire. Je travaille dans ce secteur depuis très longtemps. J'ai eu l'occasion de travailler dans les autres pays, les pays tout autour de l'Algérie, de contribuer modestement à l'émergence de leur développement touristique. Et puis, on s'est toujours posé la question, l'Algérie, ce presque état continent qui est là, qu'est-ce qu'on attend ? Donc, depuis que je suis en train d'implémenter un travail pour le compte de l'Organisation mondiale du tourisme et du PNUD, j'ai pu me rendre compte par moi-même, en faisant des descentes sur le terrain et en rencontrant aussi bien le secteur public que le secteur privé, la société civile, les agents en charge du développement du tourisme sur le terrain, que le fruit semble au mûr. Il faut effectivement amorcer les choses sans plus tarder si l'Algérie veut vraiment, vraiment voir décoller son secteur du tourisme. Oui. Monsieur Bédard, j'aimerais savoir votre avis. Vous qui effectuez votre sixième visite en Algérie, vous connaissez très bien le pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les choses ont concrètement changé et que la volonté politique est là ? Disons que oui, la réponse courte est oui. Il faut dire que les Assises se situaient dans un contexte d'évaluer la période 2008-2018 de la mise en œuvre du SDAT, comme vous avez dit, le schéma directeur d'aménagement touristique. Ce qui a été, je pense qu'il y a un consensus, ce qui a été dégagé, c'est qu'est-ce qu'on doit faire demain
de différent de ce qu'on a fait au cours des dernières années qui pourrait vraiment propulser, donner une impulsion importante au tourisme. Et ce consensus a été de l'importance d'effectuer une transition entre une approche, disons, de développement du tourisme basé sur l'aménagement du territoire à une approche de mise en tourisme des territoires, pardon, des municipalités, des territoires, des wilayas. Et ça, je pense que c'est majeur comme décision parce que c'est beaucoup plus global, c'est beaucoup plus globalisant lorsqu'on considère l'ensemble des composantes, des éléments d'une destination versus que focusser uniquement sur l'aménagement du territoire. Voilà. Donc, en finalité, M. Bédard, si j'ai bien compris, pense qu'on a compris les priorités. Est-ce que vous partagez cet avis, M. Chaïb? Oui, tout à fait, parce que nous, on attache beaucoup d'espoir, on est très confiants par rapport aux décisions qui viennent d'être prises. Maintenant, notre souhait qu'il soit appliqué sur le terrain, parce qu'il y a un élan du tourisme international qui mettent l'Algérie en tant que destination phare, et donc nous devons saisir cette occasion et rester optimistes et travailler, quoi. Aujourd'hui, nous sommes là justement pour parler d'un thème d'actualité. Je vous propose tout de suite de voir un compte-rendu de notre collègue Abdelmadjid Benkassi. Vous voyez ce sujet qui résume les deux jours des Assises nationales sur le tourisme. Regardez. Il est l'un des moteurs de l'économie dans plusieurs pays dans le monde et pourquoi pas chez nous. Le tourisme connaît aujourd'hui une réelle dynamique. Les pouvoirs publics ont compris que le temps est venu de valoriser le potentiel touristique algérien pour favoriser par là même la destination Algérie. En fait, nous avons organisé ces assises du fait pour que les défaillances que nous avons ou les petits problèmes concernant la gestion, concernant le service, seront pris en charge d'une manière durable dans le temps. Et les horizons, notre horizon, notre perspective, c'est 2030. Donc nous sommes en train de bâtir un tourisme différent. Nous sommes en train de bâtir un tourisme typiquement algérien, qui valorise l'homme, qui valorise le patrimoine culturel et le patrimoine matériel et immatériel de l'Algérie. Donc nous sommes en train de faire un travail pérenne, un travail continué. Et je vous garantis, je vous rassure que d'ici 2020-2022, nous serons dans les 240 000 lits. Donc quand il y a des milliers de lits comme ça, on peut créer cette concurrence. Et la concurrence fait que les prix baissent de manière automatique. Pour atteindre ces objectifs et rentabiliser le secteur touristique, le besoin d'une stratégie à long et moyen terme reste une nécessité pour les pouvoirs publics et pour les décideurs du secteur. La stratégie, c'est le fait de l'administration, l'initiative prise par le ministère de provoquer ces troisièmes assises vise justement à définir le chemin ou la politique à suivre à l'horizon de 2030. De ce point de vue, je pense qu'il ne faut pas, comme dirait l'autre, réinventer le fil à couper le beurre. Il y a de nombreuses expériences dans notre région et ailleurs. Il faut regarder ce qu'ont fait les autres. Le tourisme, c'est aussi et d'abord l'investissement et l'encouragement des porteurs de projets. Les financements bancaires arrivent dans le secteur après une période d'hésitation. C'est du moins l'avis des investisseurs qui sont ravis. Certes, il y a nos apports. D'abord, on a investi sur fonds propres, mais la banque nous a accompagnés. Elle est en train de nous accompagner. Il y a 15-20 ans de ça, le secteur bancaire ne prenait jamais de risque sur le secteur du tourisme. On a toujours considéré le secteur du tourisme comme un secteur à haut risque, mais maintenant, il revient que les banques sont en train de financer des projets touristiques et des grands projets touristiques. Ma stratégie, moi, en ce moment, c'est de concurrencer nos voisins. Et même nos voisins d'en face en rapport qualité-prix. Mais maintenant que moi je peux faire des efforts, mais ce qu'on demande, c'est l'accompagnement des collectivités locales pour l'assainissement des environnements extérieurs de nos structures. Oui, il y a des facilités qui sont très importantes du secteur touristique en Algérie. C'est le courage pris par M. le Président de la République, Son Excellence M. le Président de la République. Donc, on sait des avantages fiscaux, on sait des avantages de bonification sur les crédits bancaires, parce que toutes les banques actuellement ont signé des protocoles d'accord avec le ministère du Tourisme.
promouvoir une économie alternative aux hydrocarbures, valoriser l'image de l'Algérie et surtout promouvoir le patrimoine naturel, historique, culturel et cultuel du pays. Alors avant de revenir un peu sur l'ordre du jour et sur l'ensemble des recommandations qui ont été prononcées à la fin de cette rencontre, j'aimerais rappeler que le SDAT date quand même de 2008. Pourquoi on a mis autant de temps pour le mettre en application et quand on dit quand même 10 ans, qu'est-ce qu'on a perdu en finalité en ces 10 ans si on s'était pris à temps et on avait peut-être travaillé sur ce schéma, qu'est-ce qu'on aurait gagné? Non, le SDAT, il a été mis en œuvre dès l'année où il a été approuvé par le gouvernement. Oui. Maintenant, il y a eu des assises en 2013 pour faire des premières évaluations. Mais il y a eu quand même beaucoup de retard dans son application. Oui, mais bien sûr, il n'y a pas eu du retard. Il y a eu des insuffisances qui ont été constatées. Et même aujourd'hui, nous constatons, et c'est normal, dans toute stratégie, il y a des choses positives qui sont réalisées et il y a des choses négatives. Mm-hmm. Et ce qui est un petit peu... donne raison pour l'organisation de ces assises, c'est justement réfléchir d'une manière collégiale pour apporter les réajustements nécessaires à la politique touristique. Mmh. Aujourd'hui, vous avez constaté, il y avait un débat très ouvert, très franc, très franc. Les gens ont beaucoup parlé des insuffisances, mais ils se sont projetés sur l'avenir. Le plus important maintenant, c'est apprendre nos leçons, apprendre bien nos leçons et mettre en place une stratégie opérationnelle et réaliste, réalisable. Il faut absolument qu'on aille vers des choses qu'on peut faire dans une année, dans deux années, etc. Et le plus important aujourd'hui également, c'est qu'il y a une prise de conscience collégiale de la part de tous, de tout l'environnement touristique, pour justement accélérer le process de mise en tourisme. L'Algérie aujourd'hui ne peut plus se permettre le luxe de rester en dehors du boom du tourisme international. C'est une industrie qui génère beaucoup, beaucoup de revenus. L'Algérie, absolument, c'est un pays qui dispose d'un potentiel extraordinaire et les experts sont là pour le dire. Donc il faut transformer, il faut œuvrer pour transformer ce gisement en offre touristique compétitive. Oui. Justement, peut-être M. Poliwa pourrait nous dire un mot là-dessus. Vous avez participé bien sûr aux ateliers, vous avez participé également à ces assises pendant les deux jours. Qu'est-ce qui ressort en finalité de ces assises? Ben, en fait, je participe à ces assises. Est-ce qu'on est arrivé en finalité à déterminer des priorités, par exemple? Déterminer les priorités, je pense peut-être pas encore. Pourquoi? Parce que... lors des journées, de la journée d'aujourd'hui, on a écouté le compte rendu des quatre ateliers qui se sont tenus et en fait, on se retrouve avec un condensé qui touche à toutes les composantes du secteur du tourisme, et y compris même des composants annexes. Mmh. Donc, il appartient au pouvoir public, au cadre du ministère et avec toutes les personnes de bonne volonté qui souhaiteraient voir émerger, décoller le secteur du tourisme en Algérie, qu'on fasse maintenant un travail de synthèse, parce que pour élaborer, pour déterminer une... Parce qu'en finalité, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de travail à faire. Beaucoup, énormément. Et il ne faut pas oublier que le SDAT s'inscrit sur un schéma national de développement en soi, donc qui existe déjà, ce qui est un cadre de développement qui existe en Algérie. Il faut qu'il y ait un ajustement entre le secteur du tourisme et les autres secteurs d'activité. Oui. Les experts, les cadres du ministère et les cadres des autres départements ministériels aussi, il faut le rappeler parce que, en fait, le secteur du tourisme ne concerne pas que le département en charge du développement du tourisme. Oui. C'est un travail multisectoriel qu'il faudrait faire, c'est ça. Il est d'autant plus multisectoriel que ça a un impact assez élargi qui touche tous les domaines de la vie sociale et économique d'un État. Absolument. Monsieur Bédard, justement, j'aimerais vous faire réagir là-dessus parce que tout à l'heure, déjà avant l'enregistrement, vous en parliez, vous disiez que le tourisme, c'est un travail global, justement, qui touche plusieurs secteurs. Oui, en fait, j'ai senti... Mais est-ce que, peut-être, je pense qu'un téléspectateur anodin qui pourrait nous regarder se poserait la question quand même de dire par quel bout doit-on commencer? C'est bien de dire que c'est un travail multisectoriel, mais il faudrait bien commencer quelque part. Tout à fait. En fait, moi, j'ai senti énormément d'énergie positive au cours des deux dernières journées, vraiment. Et même s'il y a eu peut-être une cinquantaine de recommandations,
Il y en a quelques-unes qui ont ressorti où on sentait qu'il y avait vraiment un consensus. Je mentionnais tout à l'heure la question de... Les gens s'entendent pour dire qu'il n'y a pas une destination Algérie. Il y a des centaines de destinations Algérie. Ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement important. Oui. Ça veut dire que les gens réalisent que l'expérience touristique se vit au niveau local, au niveau des collectivités locales. Ce qui est tout à fait le message qui est envoyé par, par les autorités, à savoir l'appropriation au niveau local de, du développement. Alors ça, c'est, à mon avis, extrêmement, extrêmement positif. L'autre chose qui est ressortie et qui va dans la ligne de cette responsabilité au niveau local, c'est que ça va nous prendre une gouvernance. Parce que même au niveau local, il y a déjà des centaines d'acteurs touristiques qui ont apporté une contribution. Alors, les gens se sont dit, on doit mettre en place une gouvernance. Puis, de façon générale, le terme qu'on utilise le plus souvent, c'est un organisme qui va s'occuper de la gestion de la destination pour coordonner l'ensemble de ces acteurs-là. Ça a été dit dans les recommandations. Oui, à mon avis, c'est majeur. Mm-hmm. Et l'autre chose qui va en même temps, qui combine un message fort au niveau de l'État, à savoir la responsabilité à l'échelle des wilayas, donc des walis, qui en fait représente l'ensemble des ministères. Ça tombe tout à fait dans le commentaire de monsieur tout à l'heure. Le tourisme, chaque ministère ou chaque agence de l'État doit apporter sa contribution, qui de toute façon fait partie de sa mission, mais il doit contribuer. Ça, c'est ce que j'ai senti. Et ça, c'est majeur, structurant pour donner un bon coup d'avance, on peut dire, sur le tourisme en Algérie. Monsieur Chaïb. Qu'est-ce que vous en pensez, justement? Est-ce que vous pensez que, vous qui êtes un homme du terrain, est-ce que les choses commencent réellement à bouger au niveau local? Oui, ça c'est certain, parce que, comme il a dit M. Bétard... Est-ce qu'au niveau des wilayas, par exemple, il y a une prise de conscience? Il y a certaines wilayas qui ont pris, qui commencent à prendre connaissance. Il y a d'autres où il faut encourager. Mais j'allais dire maintenant le tourisme, quand on parle de l'Algérie, c'est un pays continent. Et donc, comme a dit M. l'expert, M. Bédard, c'est un pays de destination. C'est plusieurs destinations. Donc, il faut d'abord être convaincu soi-même que quand on parle de l'Algérie, ce n'est pas un petit pays, que c'est un pays de diversité naturelle, de diversité, de richesse culturelle. Donc la démarche doit être faite en conséquence. Donc nous sommes devant un pays qui recèle des potentialités immenses. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, l'Algérie est très peu connue dans les marchés internationaux. Et ce qui fait maintenant une autre prise de conscience, c'est que les grands marchés internationaux cherchent des pays nouveaux, des destinations nouvelles. Et je pense que l'Algérie s'inscrit dans ce contexte et a quoi offrir à ce marché international par sa diversité, par sa surface, parce qu'on peut venir plusieurs fois en Algérie et chaque fois découvrir quelque chose. Mais faut-il savoir si on est prêt? Donc, c'est ça le challenge que nous avons pour les prochaines années, où les APC doivent jouer leur rôle, les wilayas doivent jouer leur rôle pour préparer justement cette arrivée de flux touristique qui va aller de plus en plus. Bien sûr. Vous avez parlé tout à l'heure, M. Gouty, justement, des choses qui ont été réalisées peut-être au courant de ces 10 dernières années. Est-ce qu'on peut revenir justement sur le renforcement notamment des capacités d'accueil, par exemple, qui restent toutefois insuffisantes, mais qui ont été quand même renforcées? Vous avez posé une question très, très pertinente. Par où commencer? Je voudrais simplement dire que ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence. On a déjà commencé, mais aujourd'hui... Je pose cette question peut-être parce que ce n'est pas encore tangible. Parle du citoyen, de monsieur tout le monde qui nous regarde. J'ai dit qu'elle est très pertinente parce que vous parlez au nom des téléspectateurs, et j'ai bien compris. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir le courage de reconnaître les insuffisances et de les mettre en évidence. Et aussi de mettre en place un mode opératoire pour aller vite et mieux, pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés.
Parmi les réalisations qui ont été les points forts de la mise en œuvre du SDAT, effectivement, nous sommes passés en l'espace de 10 ans de 60 000 lits à 140 000 lits. Mmh. Il y a 100 000 lits qui sont dans le pipe et 2200 projets en cours de réalisation. C'était un des points forts les plus importants de la destination Algérie. Nous commençons, nous n'avons pas encore atteint nos objectifs, mais nous avons améliorer les choses et les investisseurs s'intéressent de plus en plus à réaliser des investissements ou des projets touristiques. Parmi, il faut parler aussi des points faibles. Mm-hmm. Il ne faut pas tomber dans l'autosatisfaction. Oui, allez-y. Parmi les points faibles, les insuffisances constatées, c'est la faiblesse de l'action de communication et de promotion. Même le citoyen ne connaît pas bien son pays. Qu'est-ce qu'il faut dire des destinations ou des marchés extérieurs? Et là aussi, il faut faire l'effort. Et pour revenir, je termine sur un point très important. Très important. Il y a une prise de conscience généralisée aujourd'hui, c'est que le développement du tourisme en Algérie ne peut pas se faire à la verticale. Cette méthode de travail a montré ses limites. Le pays, c'est un pays continent. Il va falloir maintenant changer de fusil d'épaule pour aller vers les territoires, pour accompagner les territoires, pour impliquer le citoyen au niveau local, pour professionnaliser l'action de tourisme au niveau local. Et l'État pour encourager, accompagner cette dynamique. Oui, justement, vous me tendez une perche. Vous avez parlé des Algériens qui ne connaissent pas leur pays. Vous avez parlé également des 140 000 lits qui ont été réalisés. Vous êtes conscient que ça reste vraiment en deçà des objectifs. Déjà, les Algériens qui visitent, par exemple, la Tunisie chaque été sont à peu près 2 millions d'Algériens. Nous ne pouvons même pas répondre à la demande locale. Alors, qu'est-ce qui fait, justement, pour que ces Algériens reviennent en Algérie et soient tentés par passer leurs vacances ici? C'est accélérer le process de développement du tourisme en Algérie. Ce n'est pas en faisant des discours creux ou de bonnes intentions. L'Algérien, c'est un consommateur comme les autres. Il cherche la qualité, le rapport qualité-prix. Pourquoi? Voilà. Est-ce voilà. qu'on s'est posé la question? Nous avons, et je l'ai dit tout à l'heure d'une manière très claire, nous avons un des grands problèmes du tourisme en Algérie, c'était le déficit énorme en matière de capacité d'accueil en nombre et en qualité. Deuxièmement, c'est la promotion et la communication. Les gens ne connaissaient pas où passer leurs vacances. Et troisièmement, le manque d'engouement de la part des opérateurs eux-mêmes pour proposer une offre qui puisse être adaptée à la spécificité de la demande interne. Mais je vous prie de me croire que le tourisme interne, le tourisme domestique, est inscrit à la même priorité que le tourisme réceptif. Oui, je pense que ça l'est. Je pense que ça l'est vraiment. Justement, si vous permettez, j'aimerais m'attarder un peu sur cette question. Est-ce que vous pensez que si l'Algérien aujourd'hui, vous devez connaître l'Algérie, si l'Algérien va aujourd'hui passer ses vacances par exemple en Tunisie, parce que peut-être aussi c'est moins cher, peut-être aussi parce qu'il y a un environnement qui est plus propice à passer des vacances? Monsieur Gouti l'a dit tout à l'heure, l'Algérien, il a besoin de vivre, il a besoin de... c'est un consommateur potentiel, il a besoin de profiter de ses vacances. Mmh. Alors, je pense que le phénomène rapport qualité-prix semble être assez important pour déterminer le choix de la destination des Algériens aujourd'hui. Oui. Et il est important. On parle du développement en infrastructure qui est en train de se faire, mais autour des infrastructures, il faut mettre en place toute une série de services annexes qui va permettre aux familles qui vont en vacances en famille, au-delà de l'hébergement et de la restauration, d'avoir des activités de divertissement qui sont en fait des gisements de milliers d'emplois que beaucoup de jeunes Algériens peuvent créer tout autour des stations et des hébergements qui sont en train d'être créés. Je vois que les pouvoirs publics consacrent un budget colossal pour effectivement doter le territoire de ces infrastructures-là. Mais tout autour des infrastructures, il faut penser aux activités pour meubler le temps. Et je pense que ça viendra consolider et renforcer l'attractivité de la destination touristique de l'Algérie auprès des Algériens eux-mêmes. Oui. Monsieur Bédard, est-ce que vous pensez que ces pays-là, si l'Algérie, est-ce que l'Algérie reste chère pour les Algériens? D'après ce qu'il y a dit, il y a eu des commentaires qui disaient oui. Et on peut dire... Parce que il y a l'insuffisance en termes d'infrastructure, mais il y a aussi cet aspect rapport qualité-prix, justement. Oui, mais ça se gère. Parce que
Le tourisme, on peut en parler, mais c'est d'abord et avant tout une industrie, c'est des entreprises, c'est du commerce. Oui. Dès que vous mettez la priorité sur un secteur, là on parle du tourisme, les industries, les entreprises vont s'adapter, vont dire qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre aux besoins des visiteurs, incluant les visiteurs, les Algériens qui voyagent à l'intérieur de l'Algérie, ils vont s'adapter. Ce sont des petits, d'ailleurs, la grande majorité des acteurs touristiques, ce sont des petites et moyennes entreprises. Alors, dès que vous développez un secteur, et de toute façon, plus l'offre augmente, la qualité des services, ils vont développer des prestations qui vont être ajustés à leur marché parce qu'ils vont le faire, je dirais, naturellement. C'est le propre des entreprises. Lorsque l'activité, elle est sous la responsabilité locale, sous la responsabilité des entreprises, ils vont avoir un comportement naturel d'entrepreneur d'ajuster leur offre et leur prix au marché qu'ils visent. Alors, s'ils visent le marché algérien, eh bien, ils vont ajuster les prix en fonction de la bourse des visiteurs algériens. Monsieur Gouty, est-ce qu'on a pensé à des modèles économiques d'hôtels qui conviendraient, par exemple, aux Algériens ou penser à développer d'autres modèles comme, par exemple, l'hébergement chez l'habitant ou les auberges, ce type de formule qui pourrait convenir justement à la famille moyenne? C'est très juste, c'est très juste. Le tourisme domestique a besoin d'innovation, a besoin de mettre en place une offre touristique capable de répondre à la motivation des consommateurs algériens, des hébergements très légers, le développement du tourisme rural, le développement du tourisme, de l'écotourisme, le développement du logement chez l'habitant, l'encouragement de l'événementiel au niveau local. Et vous voyez, tout ce foisonnement d'idées, d'initiatives doit être relayé sur le terrain par les partenaires économiques, opérateurs, professionnels, collectivités locales, etc. C'est pour cela que l'essentiel aujourd'hui, c'est de convaincre les gens, ensuite de les mobiliser et enfin mettre en place un mode opératoire. Il ne faut pas juste parler, il faut mettre en place des mécanismes capables de donner des résultats. Et parmi les recommandations phares aujourd'hui, c'est la nécessité très vite de légiférer pour mettre en place des organismes de gestion des destinations au niveau local. Au niveau local, qui va regrouper les décideurs au niveau local, les opérateurs, les citoyens, et à eux d'imaginer le type de tourisme qui convient le mieux pour les nationaux et pour les étrangers. Monsieur Chaïb, je rappelle encore une fois que vous êtes un homme du terrain. Comment voyez-vous justement l'émergence de gîtes et maisons d'hôtes comme une activité pourvoyeuse de prise en charge? Je pense que ça se développe bien. Il y a des régions qui ont gagné le défi dans la vallée du Mzab ou à Tamanrasset ou même un peu à Janet ou d'autres villes d'Algérie, vers Tarit et tout. Donc cela contribue déjà à réduire les tarifs et c'est un mode d'hébergement qui est assez abordable, aussi bien que pour les nationaux que pour les étrangers. Mais il y a un ensemble de facteurs qu'il faut réunir, comme l'a dit M. Gouty, c'est préparer cet avenir de l'Algérie touristique à plusieurs niveaux, que ce soit créer cet environnement idéal et propice à l'émergence du tourisme local qui se fait à travers les associations ou à travers les APC, après d'autres niveaux jusqu'au niveau national. Mais je pense cette année déjà, on remarque un flux touristique très très important qui n'a jamais vu en Algérie, que c'est des milliers d'Algériens qui ont visité Tarit, qui ont visité Timimoun, qui ont visité Janet. Maintenant, il y a certaines choses à faire pour mieux maîtriser ce flux touristique par rapport au respect de l'environnement.
l'environnement, par rapport au respect des sites que la valoriser. Voilà, là, c'est parce que vous avez eu de mauvaises expériences, c'est pour ça que vous en parlez. Il y a une mauvaise expérience, j'allais dire. Par rapport aux touristes locaux, c'est l'occasion de toutes les manières de lancer un appel, justement. Voilà. Si on veut visiter notre pays, on doit respecter ce pays. Voilà, parce qu'il y a une sensibilisation, les gens peut-être ne s'attendaient pas à ce flux touristique. Ils n'ont pas, pour plusieurs régions, ils n'ont pas sensibilisé leurs clients et donc on remarque très décevant qu'il y a des régions qui sont dégradées et irréversibles. Mmh. Parce que quand il y a des poubelles, on peut dire on va nettoyer, mais quand il y a des graffitis sur des roches, des gravures rupestres, c'est très grave. De renommée mondiale ou certains sont classés patrimoine mondial, là ça pose vraiment un problème et donc il y a une urgence. Mmh. De réfléchir comment on peut maîtriser ce flux touristique national qui est très 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 important pour l'économie, mais il y a un aspect qu'il faut maîtriser d'abord. Absolument. Merci. Justement, peut-être par rapport au revenir un peu à l'ordre du jour des assises, vous avez parlé de priorité. J'aimerais revenir sur la destination du Sud, le tourisme saharien qui est aujourd'hui défini comme un produit d'appel, c'est ça? Moi, je suis contre cette idée de faire du tourisme du Sud un produit d'appel, pour deux raisons. Quand on aborde l'aspect appel, c'est qu'on est dans le marketing pur et dur. Et le Sud, à mon sens, peut-être que je parle sous le contrôle des experts, le Sud ne peut pas être un produit d'appel pour deux raisons. Mm-hmm. D'abord, il cible un segment de clientèle très pointu, qui viennent pour le Sud. Oui. Ils ne viennent pas au Sud pour aller découvrir le Nord. Ils viennent, et ce n'est pas la peine de leur parler du littoral ni d'autres choses. Ils viennent pour le Sud. Donc il ne s'agit pas de les convaincre d'autre chose. Deuxièmement, un produit d'appel, ça veut dire qu'il faut le proposer à bas prix pour vendre autre chose. Il est hors de question de brader le tourisme saharien. Il est hors de question. C'est une destination qui se mérite, qui est destinée à un type de clientèle sélectionné. Il faut le vendre très cher, je pèse mes mots, il faut le vendre très cher, mais il faut œuvrer pour offrir une prestation de qualité. Je pense que M. Bédard ne partage pas votre avis, n'est-ce pas? C'est-à-dire... S'il y a un produit à mettre en évidence, peut-être pour le cas Algérie, ça serait peut-être le tourisme saharien quand même. Je partage tout à fait son avis. Ah, d'accord. En ce qui concerne... que c'est un produit qu'il ne faut pas brader, que c'est un produit de luxe qui correspond à un segment important. Oui, mais quand on dit un produit d'appel, on ne dit pas brader, en finalité. Non, pour moi, c'est un des produits d'appel. Oui. Mais par contre, je dirais que c'est un des produits d'appel. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord sur comment le présenter, pour qui le présenter, et qu'il y a des gens qui pourra peut-être voir des images du Grand Sud. On va aller voir. Continuez, M. Bédard. Alors, donc, mais ceci dit, il y a effectivement un certain nombre de produits d'appel. Et il y a des produits d'appel qui sont peut-être plus pour, disons, la clientèle de masse, puis des produits pour des segments. Et il faut vraiment... Et c'est pour ça qu'ils viennent. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il le dit. Sauf que ça m'amène... J'aimerais rebondir sur une autre recommandation qui est ressortie de ces assises. Oui. C'est, encore là, l'ambition de l'Algérie, c'est de compétitionner à l'échelle internationale. Alors, donc, il faut faire ce que tout le monde, tous les pays font, c'est qu'il faut, comme on dit, être sous le radar. C'est-à-dire, il faut que les gens nous perçoivent. Mm-hmm. Il faut trouver un label, en fait. Il faudra avoir un label. Et là, c'est une opinion personnelle, mais je l'exprime. Un label, c'est le plus possible ce qui peut te distinguer des autres. Nettement, le Sahara... parce qu'il y a quelques déserts quand même dans le monde, là. Oui. Mais le Sahara vous distingue. Donc, il y a là certainement une piste à jouer, mais on là, sait... Là, ce sont des images qu'on voit du Tassili Niger, donc dans la région de Djanet. Voilà. Qui est époustouflante. Les pays qui essaient de se développer un label, ils ont dit, comment je peux me définir que personne d'autre?
faire. Mais un label, on n'essaie pas de tout dire, parce que tout dire, c'est de ne rien dire. Mm-hmm. Mais il s'agit juste qu'il y ait un élément qui vous distingue et qui, en plus, si possible, est inimitable. Ça va être difficile d'imiter le Sahara, d'ailleurs. Il y a d'autres déserts, comme je vous ai dit, mais le Sahara. Il y a là quelque chose à explorer. Maintenant, c'est sûr que les gens qui viennent, comme vous l'avez dit, peuvent aller directement, s'il y a des low cost ou quoi que ce soit. Il y en a un certain nombre qui peuvent décider de transiter par les portes d'entrée. Par définition, les portes d'entrée, ça va être les grandes villes du Nord. Et de combiner. Donc, mais tout ça, c'est une réflexion. Mais là, l'idée, c'est pas que mon idée, c'est plutôt d'illustrer l'importance. Là, je parle pour pas la destination Algérie, je parle pour le pays. Faire comme tous les pays du monde qui veulent aller, qui veulent être perçus comme une destination, oui, d'avoir un label. Ça, les gens l'ont bien fait ressortir. Et de ce label national va découler des labels pour chacune des destinations, parce qu'ils vont vouloir se donner une personnalité. Et comme monsieur le disait, c'est une richesse, la diversité, parce que ça donne le prétexte de venir et de revenir, puis tu ne vois jamais la même chose. Mm-hmm. Alors donc, ça a été abordé, et je considère que c'est un point très important. Monsieur Pollivois, est-ce que vous pensez que le Sud ou le Sahara, d'une manière générale, devrait être un produit d'appel ou pas, comme disait monsieur Gouty? Alors, le terme produit d'appel me gêne un tout petit peu. Oui. En ce qui concerne le Sahara algérien en particulier, ça me gêne un tout petit peu. Parce que c'est tout simplement un produit exceptionnel. Exceptionnel. Quand on a l'avantage de connaître ce produit, d'avoir sur son territoire cet espace qui a une qualité exceptionnelle, on ne peut pas en faire un produit d'appel. Parce que déjà, il y a une clientèle qui existe, on ne va pas la chercher aujourd'hui, cette clientèle-là existe, oui, elle consomme ce produit. Donc simplement, on peut peut-être l'ouvrir, l'élargir, oui, mais l'Algérie dispose aujourd'hui d'autres atouts qui peuvent faire en sorte qu'on puisse peut-être orienter, faire d'autres orientations, que ce soit pour la demande nationale ou la demande internationale, vers d'autres produits alternatifs. C'est-à-dire? Ça me permet de rebondir sur les modes d'hébergement dont on a parlé tout à l'heure, et vous parliez du mode d'hébergement, par exemple, chez l'habitant. Je voudrais aussi souligner que là, ça correspond à des attentes spécifiques. Oui. Ça ne veut pas dire que ce que l'État a engagé comme infrastructure, soit en bord de mer ou dans les autres territoires, en termes d'offres, en termes de capacité d'hébergement et de lits, ne s'adapte pas nécessairement aux besoins. Mais le mode d'hébergement chez l'habitant, ou dans des campements ou dans des auberges, correspondent à des offres liées à une certaine clientèle qui ont besoin de cette approche, qui ont besoin de ce mode de vie et qui ont besoin de vivre ce genre de tourisme qui est plutôt lié au rapprochement entre les personnes. J'ai envie de rebondir justement, parce que vous parlez encore d'hébergement. Alors, vous avez dit qu'il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées. Est-ce qu'on a pensé à un cachet particulier, à donner un cachet particulier à ces constructions, justement, parce que ça aussi, c'est très important? Vous savez, il y a trois écoles dans ce domaine bien précis. Il y a certains qui disent, bon, comme l'a dit tout à l'heure à quelqu'un qui a été interviewé, il suffit de copier les autres destinations. Il ne s'agit pas de réinventer le fil à couper le beurre. Ça, c'est une école. Il y a une autre école qui dit, non, il faut faire plus. Nous avons tellement de retard qu'il faut faire plus d'efforts pour essayer de les rattraper. Et il y a une troisième école, dont je fais partie, qui dit, il faut faire autrement. Nous n'avons pas intérêt à copier et à calquer intégralement ce qui a été fait. Il faut être suffisamment intelligent pour prendre... L'Algérie, en plus de ça, elle a eu déjà sa période d'or, où il y a eu déjà un tourisme qui était développé. Absolument. On n'a pas besoin de copier, en finalité. Oui, c'est ça. Il faut prendre les bonnes choses qui ont été réalisées dans les autres destinations et les réadapter à notre concert national et les reproposer aux marchés internationaux comme quelque chose de nouveau, d'authentique, qu'on n'a pas l'habitude de voir. L'Algérie se trouve dans le bassin méditerranéen.
c'est la partie du monde la plus concurrentielle. Oui. Autour. Nous avons des pays qui nous dépassent de 50 ans d'avance par rapport au tourisme. Il ne s'agit pas de courir derrière eux, mais il s'agirait, comme a dit très justement mon ami de droite, il faut se mettre dans le rang, il faut qu'on soit visible, il faut qu'on nous voit. Et comment on doit attirer l'attention des marchés? Si en proposant quelque chose qu'on n'a pas l'habituel de voir. Vous allez me dire quoi tout de suite? Je suis incapable de vous répondre. Et c'est une réflexion collégiale qui doit être enclenchée avec les opérateurs, avec les responsables, avec la société civile, etc., pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau. Oui. Monsieur Jaib, vous êtes, je disais tout à l'heure, tour opérateur. Vous organisez depuis maintenant une vingtaine d'années des circuits dans le sud du pays, c'est ça. Vous arrivez donc aujourd'hui, vous avez un flux touristique régulier qui viennent visiter des régions du sud. Parlez-nous un peu de votre activité, puisqu'on parle du tourisme saharien. Oui, enfin, nous, il y a le côté saharien et le côté nord, c'est-à-dire que nous travaillons, nous organisons des circuits touristiques sur l'ensemble du territoire national, les régions touristiques. Et donc, quand on parle de tourisme saharien, moi je dirais qu'il y a deux aspects d'attraction par rapport à l'Algérie. Il y a le culturel qui est dans le nord, notamment les ruines romaines, les sites romains et d'autres sites islamiques dans la région ouest. Et il y a aussi la région du Sahara qui s'étend de l'Atlas saharien jusqu'à l'extrême sud. Et dans ces régions aussi, il y a des fois des marchés où il faut des études. Il y a des marchés qui sont branchés plus, par exemple, sur le culturel. Ils viennent pour voir les sites romains. Ils ne sont pas intéressés par le saharien. Il y a cette clientèle. Je rappelle juste au passage que l'Algérie est la deuxième destination la plus importante en termes de vestiges romains après Rome. Parce qu'il y a beaucoup que nous, par expérience, quand on dit en Russie ou même en Italie, des fois, voilà, l'Algérie, peut-être elle dépasse l'Italie dans un nombre ou dans la conservation. Bon, l'Italie, ils ont certains sites de grande qualité, mais quand même, l'Algérie, on a aussi ces sites. Oui. Et aussi à l'environnement où se trouvent ces sites qui caractérisent, qui donnent encore plus de valeur. Donc, je pense que la démarche est ça. Deux pôles d'attraction sur le nord et sur le Sahara. Maintenant, le Sahara, comme a dit M. Gouti, c'est un tourisme de luxe. Il ne faut pas le brader, notamment vous allez dans la Tadrart. La Tadrart, c'est parmi les plus beaux déserts du monde. Personne ne pourra dire le contraire, mais c'est une région qui est extrêmement fragile. Parce que s'il y a un flux touristique important sur la Tadrart, vous avez pour 4 ans, elle ferme. Parce que les dunes sont tellement belles, tellement. Donc il faut 4 ans de vent pour redessiner la beauté des dunes. J'ouvre juste une parenthèse, justement, en plus du paysage qui est extraordinaire. Qu'est-ce que vous proposez à ces touristes? Qu'est-ce qu'ils cherchent? En fait, un touriste ne vient pas, on parlait tout à l'heure des capacités d'accueil, ne vient pas uniquement pour dormir, mais il cherche aussi des activités à côté. Donc qu'est-ce que vous proposez à ces touristes pour faire de leur séjour une expérience inoubliable? Nous avons les potentialités. Maintenant, il faut les mettre en valeur aussi bien par rapport aux loisirs. Il y a beaucoup d'attractions touristiques qu'on peut intégrer, notamment le cheval, le chameau, les quads, bien que je n'aime pas beaucoup les quads parce qu'ils abîment beaucoup les méharés, peut-être proposer des méharés. Voilà, parce que les gens veulent écouter le silence. Oui. Parce que, on est toujours à la recherche d'un dépaysement quand voilà, on va au désert. Voilà, parce que dans toute l'Europe, il n'y a que des bruits de moteurs. Donc les gens ont besoin d'écouter le silence. Et ça, c'est ce qui fait la spécificité du tourisme saharien. Et c'est pour cela que, comme a dit M. Gouti, il faut le valoriser. Ce n'est pas le brader et ramener du low cost, des milliers de touristes dans ces régions. Il faut qu'ils restent
j'allais dire, chacun a le droit de voir ses beautés. Mais il faut qu'il soit bien géré pour, d'ailleurs, pour le protéger et le mettre en Nous valeur. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. J'ai envie de terminer sur, justement, à rappeler peut-être ce qu'a dit Yann Bertrand, le réalisateur du film L'Algérie vue du ciel. J'imagine que vous l'avez vu. Alors, en terminant cette production, il avait dit que l'Algérie était un très beau pays et qu'il gagnerait à s'ouvrir au tourisme. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Algérie est un pays ouvert au tourisme ? Malek Haddad a aussi dit qu'on ne vient jamais en Algérie pour la première fois et on ne la quitte jamais pour toujours. Oui. C'est très beau et ça reste d'actualité. Ça reste vraiment d'actualité. Oui, l'Algérie, d'abord, c'est un pays ouvert. Et ensuite, c'est un pays qui souffre totalement sur le tourisme. Sinon, on ne serait pas là pour parler de la construction d'une destination. Permettez-moi de revenir... Lui, quand il parlait de ça, je pense qu'il parlait aussi de plusieurs contraintes que rencontre un touriste, comme par exemple le visa ou la capacité de se déplacer sans escorte, par exemple. Tous ces problèmes-là... Est-ce qu'on est prêt à faire des concessions aujourd'hui ? Non, ne parlons pas de concessions, on n'est pas en guerre, ne parlons pas de concessions. Il va falloir mettre en place les facilitations nécessaires qu'il faut pour attirer les touristes. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose, et je parle toujours sous le contrôle des experts. Aujourd'hui, quand on vous pose la question, on ne vous dit pas où vous avez passé vos vacances. On vous dit qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances. C'est la question qui revient. Et donc, l'Algérie a tellement de choses à proposer. Culturellement parlant, socialement parlant, etc. Il suffit juste d'organiser tout ça, de mobiliser tout le monde autour de ça. Et nous sommes, moi je suis très confiant que l'Algérie dispose de tous les atouts pour pouvoir demain se positionner comme une destination nouvelle. Monsieur Polivoy, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'Algérie est prête justement à s'ouvrir et à être une destination de choix ? Alors, avec l'expérience... Est-ce que l'environnement est là ? Le contexte, de manière globale, il est approprié, il me semble approprié. Pourquoi ? D'abord, on sort là des deux jours d'assises où il y a eu plus d'un millier de personnes qui se sont exprimées. Qui se sont exprimées et on a senti une envie. On a senti se dégager une très grande envie. Les personnes qui étaient là ont presque envie de découdre en se disant « Mais le tourisme, c'est le moment. » Et c'est vrai que c'est le moment pour le pays. Je le vois d'autant que j'ai eu l'avantage pendant ces quelques mois d'aller rencontrer des gens dans certaines wilayas, de les interviewer et puis je m'en suis rendu compte qu'il y avait effectivement une attente qui était assez large. Et je termine aussi en disant tout simplement que je me rends compte que les bailleurs de fonds, les partenaires internationaux aussi, commencent à avoir un regard assez intéressant et je sais qu'il s'est tenu par exemple ici en Algérie des réunions avec l'Organisation mondiale du tourisme autour de la thématique liée par exemple aux statistiques. Ça veut dire qu'en fait, on va devoir mettre en place, ou bien au moins on pense à mettre en place un cadre qui va permettre d'évaluer et de mesurer en fait des impacts de ce secteur-là une fois que ce sera vraiment mis en place et que ça, une fois que cela décollera. Et tout ça va dans le sens positif, à mon sens. Monsieur Chaïb, vous qui êtes un homme du terrain, est-ce que vous pensez réellement que l'environnement propice est là aujourd'hui ? Moi, j'en suis très certain parce que du fait de notre activité, nous avons quand même 4-5 pays asiatiques qui viennent continuellement en Algérie, donc des groupes allant de 10 à plus de 20 personnes. Il y a aussi les Européens. Récemment, on voit que les Finlandais qui demandent des cotations, il y a les Danois qui demandent des cotations et qui viennent déjà depuis 3 ou 4 ans, ils viennent. Donc, il y a beaucoup de pays qui n'étaient pas traditionnellement clients de l'Algérie et qui découvrent l'Algérie. C'est un pays paisible, c'est un pays qui a d'immenses potentialités. Donc, c'est l'avenir du tourisme international. Je pense que par rapport à l'Afrique, l'Algérie va se situer dans les quelques prochaines années si on saura comment
comment agir, comment essayer de développer, comment saisir cette opportunité. Je pense que l'Algérie, dans les quelques années à venir, sera une destination phare pour beaucoup, beaucoup de pays. Et comme elle a dit, il y a 190 pays qui voyagent. Et donc, je pense qu'il y a déjà la Chine. Mm-hmm. La Chine, c'est un pays qui fait plus de 120 voyageurs. Millions de touristes. Oui. Et je pense qu'il s'ouvre parce qu'il y a notre ministre des Affaires étrangères qui était là-bas. Il y a des accords qui ont été signés. Sa visite récente dans l'Europe du Nord. Donc, cela a permis de mettre en confiance les opérateurs touristiques de ces pays. Et donc, je pense que l'année 2019-2020, ça sera l'année de du tourisme pour l'Algérie. Monsieur Bédard, j'ai envie de terminer avec vous. Est-ce qu'on peut évaluer à peu près combien d'années il nous faudra justement pour devenir une destination de choix? Est-ce qu'on peut le dire en termes d'années? Je pense que la réponse intéresserait plus d'une personne. Voilà, écoutez, moi ce que je retire de ces deux jours d'assises, l'enjeu, le défi, c'est pas de savoir quoi faire. Les gens le savent, c'est de le faire. À ce moment-là, combien de temps? Le plus rapidement possible. Mais de ne pas l'avoir fait avant n'est pas en soi, du point de vue du marketing, un handicap. Parce que vous allez vous positionner comme une nouvelle destination. Le marché est toujours à la recherche de nouvelles destinations. Donc, c'est on part. C'est pour ça que je vous le dis, les gens savent quoi faire. Il n'y a pas un déficit de connaissances. Il s'agit de le faire. Oui. Et la journée où vous le faites avec tous les paramètres là, qui ont été expliqués, peu de temps, parce que naturellement, c'est comme ça que l'Algérie va se positionner comme une nouvelle destination. Le marché recherche toujours les nouvelles destinations et il est très rapide. Il est très rapide à réagir à une nouvelle destination lorsqu'on est prêt à bien les accueillir. Monsieur qui est donc, quand on travaille bien, quand on travaille bien, en 4-5 ans, on peut voir les résultats. Rapidement. Absolument, parce que le marché réagit comme ça. Il réagit très rapidement. Si l'Algérie réussit à se positionner, nous sommes une nouvelle destination au 21e siècle, ça va se faire rapidement. Je vous le dis, parce que le potentiel est là, mais là, c'est une question de le faire. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous dis à très bientôt et au revoir. Thank you.